Dans une interview captivante avec Jordan Deluxe ce mercredi 14 février, Nadège Lacroix s'est ouverte sur ses aspirations romantiques et son désir ardent de fonder une famille, juste avant que son compagnon, Emmanuel, célèbre participant de la saison 7 de « Marié au premier regard », ne la rejoigne sur le plateau. Après une période de célibat, Nadège Lacroix a rapidement retrouvé l'amour après une relation de 4 ans avec Stefano. Mais malgré leurs efforts pour concevoir un enfant par PMA, les différences d'attente ont finalement éloigné le couple. Dans une récente interview avec Samzira, Nadège a exprimé ses regrets quant au temps perdu dans le processus, regrettant de ne pas avoir pu congeler ses ovules à temps. Cependant, l'espoir n'est pas perdu pour Nadège, qui a trouvé un nouveau bonheur amoureux aux côtés d'Emmanuel ces derniers mois. Lors de son passage chez Jordan Deluxe, elle a partagé ses sentiments et ses rêves de parentalité avec son nouveau compagnon. Alors que Jordan Deluxe plaisantait sur une éventuelle grossesse, Nadège a plaisanté en lui demandant de ne pas effrayer Emmanuel avec de telles idées. Le couple, bien que séparé géographiquement pour le moment, a révélé les moments précieux qu'ils partagent ensemble. Nadège, qui se décrit comme hyperactive, trouve en Emmanuel un partenaire compatible. L'animateur a même interrogé Emmanuel sur son désir d'avoir des enfants, ce à quoi il a répondu positivement, faisant briller les yeux de Nadège. Malgré leur amour passionné, les deux amoureux ont souligné qu'ils n'étaient pas pressés de fonder une famille, affirmant qu'ils avaient tout leur temps. Cependant, ils ont avoué sans détour que leur retrouvaille était accompagnée d'une grande dose de tendresse. Nadège a même interrogé Jordan Deluxe sur la connexion évidente qu'ils partagent, avant de confesser son amour profond pour Emmanuel. Est-ce enfin le bonheur durable pour Nadège Lacroix? L'avenir nous le dira.